Bonjour Internet, bonjour à tous, ici Casamania, bienvenue en vidéo, bienvenue sur YouTube. Les amis, on va parler de Ring of Elysium. Vous le savez sans doute, ce Battle Royale gratuit va finir sa première saison de compétition et va lancer donc la saison 2. Cette saison 2 commencera à partir du mercredi 16 janvier, donc ça y est, c'est là, hein, ça approche vraiment très rapidement. Donc ce fameux Battle Royale, vous le savez, c'est un jeu que j'aime beaucoup, il est gratuit, il est plaisant, il a beaucoup de qualité, donc on va pas revenir là-dessus, mais c'est pas pour ça que je fais une vidéo, c'est pour vous parler de cette saison 2 qui se lance donc sur les chapeaux de roue à partir de mercredi 16 janvier et notamment va intégrer quelques nouveautés et notamment, sans plus tarder, vous le savez, j'imagine sans doute, une nouvelle map et cette map là, Paradise Falls, qui va être inaugurée durant cette saison 2, apporte pas mal de nouveautés. Niveau gameplay, on sera plus entouré d'une avalanche, mais là, il faudra faire avec un volcan en éruption. Fini la neige, fini le snow, fini la glisse. Là, on se retrouve vraiment sur la terre ferme, sur une carte qui ressemble à un petit village balnéaire au bord de la Méditerranée. Donc, c'est beau, c'est bucolique. La mer est bleue, le sable est chaud. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit qu'il faut survivre et aller jusqu'à l'hélicoptère d'exfiltration. Alors les nouveautés, à part cette map, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien il y aura des nouveaux packs, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours le glider qui va nous permettre de planer, mais on va trouver maintenant le BMX qui remplacera peu ou prou le snowboard sur la map neige, et on trouvera le grappin qui vous permettra un petit peu comme Spider-Man de vous rapprocher plus rapidement des murs. Des nouvelles armes font leur apparition, notamment la MG4 et le PKM. On devrait voir aussi débarquer un nouveau mode de transport avec un espèce de sous-marin, un petit sous-marin personnel dans lequel nous pourrons donc contrôler pour explorer les fonds marins. On nous promet aussi une météo plutôt changeante avec notamment des typhons. Donc moi j'ai hâte de commencer cette saison 2 sur ce jeu qui me plaît beaucoup, de tester cette nouvelle map qui va vraiment nous apporter un nouvel environnement de jeu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes des joueurs de Ring of Elysium, si ce jeu vous plaît. Je sais que j'ai beaucoup de retours de votre part, notamment vous êtes nombreux à me dire que c'est un très bon Battle Royale, et je suis d'accord avec vous. Donc on se retrouve tous durant la saison 2 sur Ring of Elysium, et attention, on va vous fraguer. Amusez-vous bien tout le monde, à plus, c'était Kaz.